Je m'appelle Bruno et je suis un androïde. Mademoiselle Pissinoé, il faut sauver la planète. Alors là, j'étais vraiment pas content. Parce que sauver la planète, c'est beaucoup trop de travail. Transmettez, c'est la clé. C'était signé post-scriptum, Akasha, on compte sur toi, cette mission est pour toi. Est-ce que vous savez que sur la planète Terre, il y a à peu près 1 milliard 400 millions de kilomètres cubes d'eau? Ça, c'est un ludo-écolo-pédago-recycleur. Vous connaissez? Non. J'ai fini, et comme la bouteille était vide, je me suis dit, mais ça ne me sert plus à rien, alors je la garde. Moi je connais un jeu fantastique, c'est rigolo et très pratique, pareil, c'est vrai que dans ta maison, ce que tu jettes c'est toujours bon. Ça sert des déchets. Bienvenue, petit dame. Tout commence à la surface de la mer. Les rayons chauds du soleil chauffent l'eau qui est en surface, ce qui provoque une évaporation. Même quand elle est cachée, même comme aujourd'hui. La lumière du soleil va, à travers l'arbre, faire l'effet d'une paille. Et l'eau va monter par les racines. Et l'eau est toute chargée de toutes les vitamines de la terre. Dans ce trou-là, vous allez mettre... Le papier carton. Ici, vous allez mettre... Là. Et là, plastique. Ici. Pile. Et là-dedans. Tout. Le reste. Ah oui, non, là, c'était le derrière. Et oui, là, c'est la tête. Alors, la tête, il mange la terre par ici. La terre, elle va passer dans tout son tube digestif, comme ceci. Hop. Que faudrait-il faire pour arrêter de faire de la fumée? Faudrait-il arrêter de faire des humains, des machines ou de la fumée? Ils voulaient tout pour eux et rien pour les autres. L'abeille, elle arrive comme ceci, hop. Elle évite soigneusement la grenouille, parce que la grenouille adore croquer dans les abeilles, hop. Et quand elle arrive comme ceci... Ah bah attends. Ah oui. C'est la sève qui s'est chargée de glucose et elle va circuler dans tout le corps de l'arbre. Car plus il y a d'humains, plus il faut de machines, donc plus il faut d'énergie, donc plus de... Fumée. Génial. Les toilettes sèches sont des toilettes qui n'utilisent pas d'eau. Ils permettent de récupérer les excréments pour en faire du compost qui fera de l'engrais. Et là, les arbres transforment le gaz carbonique en bois. Moi j'ai ça chez moi et je ne l'utilise plus. Alors ce que je vais... Ah bah je vais le jeter à la poubelle. Non. Je vais imaginer quelque chose avant, je vais voir si tu peux m'en servir encore. Et comme ça, je ne les jette pas à la poubelle et je ne crée pas autant de déchets. Il y a les grands et les petits, les éléphants et les fourmis, les poissons-chats et les...